Prêt également à accompagner les autorités de la transition, le mouvement Sauvons le Faso, tout en interpellant sur la dégradation de la situation sécuritaire. Face à la presse, ce jeudi, le mouvement fait des propositions de solutions allant de l'amélioration des conditions de vie des FDS à la libération des militaires incarcérés en passant par un recrutement massif de VDP et FDS. Compte rendu avec Franco Drago et Maïmouna Traoré. Par cette conférence de presse, le mouvement Sauvons le Burkina Faso attire l'attention du président du Faso sur la dégradation de la situation sécuritaire. Pour les conférenciers, certains commencent à perdre espoir au regard de la recrudescence des attaques terroristes et de la souffrance des populations dans plusieurs localités. Mais pour eux, le combat ne saurait être gagné en 45 jours. Ils formulent donc des suggestions. Œuvrer urgemment à placer nos forces de défense et de sécurité dans les meilleures conditions morales, matérielles et militaires pour faire face à cette guerre. Mettre, si possible, à exécution les articles 58 relatifs à l'état de siège et l'état d'urgence et l'article 59 de notre Constitution. Procéder rapidement à un recrutement massif de volontaires pour suppléer nos FDS. Déployer les FDS radiés, les condamnés du putsch de 2015 et tout militaire incarcéré dans l'effort de mobilisation contre le terrorisme au regard de la situation de nécessité nationale qui prévaut. Les combattants des forces du mal étant en majorité des fils du pays, nous pensons qu'il serait également bon de proposer une amnistie à tous ceux d'entre eux qui voudraient déposer les armes. Les militaires et policiers radiés en 2011 par la voix de leurs représentants manifestent leur volonté de rejoindre les rangs pour lutter contre le terrorisme. Ici, là, aujourd'hui, pour vraiment demander pardon à la population burkinabé pour tout ce qui s'est passé en 2011. Vu la situation sécuritaire du pays, vraiment, nous, on est prêts vraiment pour aider nos collègues au front pour vraiment libérer ces pays-là. Pour les membres du mouvement Sauvons le Burkina Faso, il faut aller vite à la réconciliation. Ils renouvellent ici leur soutien au président du Faso et se disent disposés à l'accompagner dans sa dynamique de sauvegarde et de restauration.